Bonsoir à tous frères et sœurs, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de télévision Réveil TV. C'est votre émission Le Retour à la Parole. Donc nous bénissons encore le Seigneur pour la grâce, pour le privilège qu'il nous accorde, qu'il nous permet de passer ensemble ces temps. Nous voulons prier, recommander ces instants au Seigneur afin qu'il nous conduise, afin qu'il nous assiste par son esprit, parce que comme vous le savez, sans le Seigneur, sans son esprit, on n'est rien et on ne peut vraiment et vraiment rien faire. Seigneur, nous voulons prier pour cette émission. Seigneur, enseigne-nous par ton esprit, bâtis nos vies, bâtis nos cœurs. Merci pour toutes les familles, pour toutes les personnes qui nous suivent ici sur place à Port-Gentil. Bénis toutes les personnes, bénis toutes les familles. Et permet davantage que par ta parole, les écailles de leurs yeux puissent tomber, que la délivrance leur soit accordée au nom de Yeshua. Amen. Donc merci encore frères et sœurs de nous recevoir chez vous. Nous allons poursuivre sur la thématique que nous avons commencé la semaine dernière, notamment sur le thème du combat spirituel. Donc aujourd'hui ce sera la troisième et dernière partie sur le thème du combat spirituel, pour faire une petite genèse ou un petit rappel pour ceux qui nous prennent peut-être aujourd'hui pour la première émission, pour la première fois. Nous avons parlé du combat spirituel, nous avons défini c'était quoi le combat spirituel. On a vu comment le combat spirituel se déroule, on a parlé des armes quelque peu, aujourd'hui on va poursuivre. On a parlé de l'autorité que le Seigneur nous donne dans ce combat, on a parlé de l'identité du chrétien dans le combat. On a parlé, n'est-ce pas, des armes que le Seigneur nous donne. On a parlé des stratégies de Satan, on a parlé des plans. Donc, on a notamment vu l'une des définitions. On a dit que le combat spirituel est cette guerre qui met en évidence les deux royaumes, les deux postérités, les deux races. Donc, le royaume de la lumière contre le royaume de la ténèbre. On a parlé de deux postérités, de la postérité de la femme, représenté par Yeshua et par l'Église. On a parlé de la postérité du serpent, représenté par la ténèbre, par tous ceux qui sont appelés de l'ennemi, de Satan, des démons, des esprits impurs. On a notamment aussi parlé de Caïn, n'est-ce pas, qui est issu de la postérité du serpent. On a parlé, n'est-ce pas, de l'ivraie aussi, qui est de la postérité du serpent. Donc on a vu que le combat spirituel met en guerre, mais en bataille, ces deux royaumes et ces deux postérités. Donc le royaume de la lumière fait Yeshua, le royaume de la ténèbre c'est Satan. Après cette définition, on a aussi vu une autre définition. On a dit que le combat spirituel c'était aussi le bon combat de la foi, lutter pour conserver la foi. Et notamment dans Timothée, Paul disait qu'il a combattu le bon combat, qu'il a gardé la foi et qu'il a achevé la course. Donc on a dit que le combat spirituel c'est aussi combattre pour conserver sa foi. On avait notamment dit que le combat spirituel n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de nous assembler. De se réveiller à minuit, 2h du matin pour être dans le combat, pour réclamer nos bénédictions, pour, n'est-ce pas, réclamer nos enfants, réclamer tout ce que Satan nous aurait volé. On a notamment dit que par sa mort à la croix, le Seigneur nous a achetés, nous a rachetés à un grand prix. Donc nous ne sommes plus redevables à la ténèbre, nous ne sommes plus redevables à Satan. On appartient aujourd'hui au royaume de la lumière. Donc on a vu que les chrétiens doivent passer leur temps dans l'adoration, à prier pour leur famille, prier pour les âmes, prier pour leur vie, prier pour les nations, pas à envoyer le feu à nos ennemis. On avait notamment vu aussi dans Matthieu 4 que les âmes que le Seigneur nous donne dans le combat spirituel, c'est l'amour, c'est la bénédiction et c'est le pardon. On avait vu, il a dit, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Donc on a vu comme ça quelques armes. Et on a aussi parlé des stratégies que Satan utilise pour nous atteindre. On a notamment parlé des appâts. On a parlé des appâts. On a dit que nos sens peuvent être des appâts. On a aussi parlé, n'est-ce pas, de ces choses qui nous tenaient captifs depuis autant d'années. On a vu que ces choses aussi étaient des appâts que Satan peut utiliser pour nous atteindre. On avait aussi vu Jean chapitre 10 à partir du verset 10. On avait parlé des plans, des projets de Satan, de l'ennemi pour nos vies. Et on a dit que son plan pour nous, c'est de nous détruire, de nous tuer, de nous égorger. On avait notamment vu que Satan, pour égorger, pour tuer ou pour détruire, il ne le fait pas à distance. Il le fait de près. Et même sur le plan humain, on ne peut pas égorger quelqu'un à des kilomètres ou à des mètres. Pour égorger quelqu'un, n'est-ce pas, par le coup, il faut être
justement tout près de lui. On a vu que Satan nous épie, il nous espionne, et dans 1 Pierre 5, on l'a vu que justement Satan rôde comme un lion, justement il rôde autour de nous pour nous atteindre. Et on a vu dans ce combat que Yeshua, notre Elohim, veille sur nous, il ne sommeille ni ne dort. On l'avait vu notamment dans le psaume, je crois, chapitre 121, qui ne sommeille ni ne dort, il nous garde, il nous veille, il veille sur nous. Et on a vu que la seule chose dans ce combat spirituel qui peut donner accès à Satan dans nos vies, c'est le péché. Et on a aussi vu que la seule chose, n'est-ce pas, qui peut donner accès à Satan dehors du péché, il y a aussi la peur qui est une grosse porte à l'ennemi. Et justement, on avait vu que dans ce combat spirituel, Satan utilise beaucoup la peur, n'est-ce pas, pour avoir accès à ses enfants, aux enfants du Seigneur, autant pour moi. On a aussi vu qu'en dehors de la peur, Satan utilise le manque de conscience. Voilà, on a vu que Satan utilise l'ignorance. Merci Seigneur. Donc on a vu que Satan utilise beaucoup l'ignorance pour atteindre les enfants du Seigneur. On avait notamment pris Galates chapitre 4. On a dit que, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc on a vu que l'ignorance, le manque de perception, le manque de réalisation de notre identité fait en sorte que Satan, n'est-ce pas, ait le dessus sur nous. Donc voilà un petit résumé comme ça de ce qu'on a vu lors des deux précédentes émissions. Et ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons atterrir par rapport au thème du combat spirituel. Il y a plein d'autres choses qu'on a vues, hein. Je n'ai pas forcément tout dans la tête, dans l'esprit comme ça. Donc j'ai pu énumérer les points qui me sont revenus. Mais on a vu plein de choses. Donc pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi les deux premières émissions, on vous renvoie simplement à ces deux premières émissions pour mieux comprendre où ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc sans plus tarder, nous allons poursuivre sur le thème du combat spirituel. Et nous allons prendre nos Bibles dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. C'est le chapitre, le livre sur lequel on s'est arrêté. Et oui, merci Seigneur, on a aussi parlé des réclamations. On a vu que Satan nous réclame. Il nous réclame, n'est-ce pas? Et on a dit que les réclamations, c'est, il nous réclame par rapport aux liens, aux alliances que nous avions par le passé. Et il nous réclame aussi par rapport au péché qui nous liait, qui nous tenait captifs par le passé. D'où l'importance de se cacher en Mashiach, d'où l'importance de demeurer dans l'obéissance, dans la consécration, dans la sanctification. Éphésiens chapitre 6, on va lire à partir du verset 10. Au reste, mes frères, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Est-ce que les frères peuvent mettre le curseur sur le petit 5 d'armure là, l'armure? Petit 5 de l'armure. Donc, l'armure vient du grec panoplia qui signifie l'armement complet avec bouclier, épée, lance, casque, jambière et pectoral. Merci les frères. Est-ce que vous pouvez enlever le passage un instant? Donc ici, le Seigneur, par la bouche de Paul, nous interpelle, nous encourage à nous revêtir de l'armure complète. Donc on a vu ici que l'armure nous parle de cette expression panoplia, je crois en grec, qui nous parle de l'armure complète. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les chrétiens que nous sommes? Vous allez retrouver certains chrétiens avec les chaussures de zèle, la ceinture de la vérité, le casque du salut, mais ils n'ont plus l'épée de l'esprit. On a vu aussi que l'armure, ce n'est pas une armure qui n'est pas complète. On a vu que l'armure dont Paul parle ici est une armure complète. Mais beaucoup parmi nous, nous sommes revêtus des armures incomplètes. Beaucoup parmi nous, on a juste le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, le casque du salut, mais on n'a pas les chaussures. Et si notre armure n'est pas complète, on est déjà déséquilibré. Ça, c'est la première chose qu'on doit comprendre, qu'on doit réaliser. Lorsqu'on parle de l'armure, c'est le complet. Le casque du salut, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, l'épée de l'esprit et les chaussures du zèle de l'évangile. Si tu as cinq armes, si tu as quatre armes dans ton armure, tu es désarmé. Et frère, si on n'est pas revêtu de l'armure complète dans ce combat, bien sûr que Satan pourra nous atteindre. Imaginez ce chrétien qui a l'épée de l'esprit, mais qui n'a pas le bouclier de la foi, par exemple. Si tu n'as pas ton bouclier, Satan pourra t'atteindre, pourra atteindre ton cœur. Parce que l'épée ne suffit pas pour éteindre les dards enflammés du malin. Il faut le bouclier, la cuirasse, non, pour moi, le bouclier de la foi.
Non, la cuirasse. Ici, c'est la cuirasse de la justice. Ici, c'est le bouclier. Voilà. Donc, il faut justement ta cuirasse sur ton pectoral. Il faut ta cuirasse justement sur ton pectoral pour ne pas que le malin puisse atteindre ton cœur. Mais beaucoup parmi nous, cette cuirasse au niveau de notre pectoral, on ne l'a plus. Comment ne voulons-nous pas être atteints au niveau de notre cœur, au niveau de notre âme, lorsque Satan envoie des dards enflammés? Donc ici, Paul nous encourage à nous revêtir de l'armure complète. Nous devons nous revêtir de toutes les armes pour pouvoir résister face aux ruses du diable, comme ça a été écrit. C'est-à-dire que si on est revêtu de certaines armes et pas de d'autres armes, on est déséquilibré. Il y a justement des chrétiens qui se retrouvent, ils méditent deux versets et ils prient pendant 2 heures. Lui va se dire que c'est une prouesse ou que c'est un exploit, mais en esprit, il est déséquilibré. Tu pries 2 heures, tu médites 1 minute, tes âmes sont déséquilibrées. Tu médites 2 heures et tu pries à peine 1 minute, tu es déséquilibré. Tu prêches beaucoup l'évangile, mais tu n'es pas au pied du Seigneur, tu es déséquilibré. Tu pries beaucoup, tu médites beaucoup, mais tu ne prêches pas l'évangile, tu es déséquilibré. Merci Saint-Esprit, je n'avais vraiment pas prévu aborder l'armure comme ça, mais c'est vraiment le Seigneur. Et ça me parle même à moi-même. Et justement, beaucoup parmi nous, on se retrouve désarmés. Parce que on n'a pas toutes les armes. On n'a pas l'armure au complet. Amen. Et beaucoup parmi nous, on n'a plus de casque du salut. On n'a plus de casque. Voici pourquoi on se retrouve assaillis. Autant pour moi, les mauvaises pensées nous assaillent, nous oppressent. On les nourrit, on les boit, on les mange. Parce que justement, on n'a pas le casque du salut. Et vous voyez, qu'est-ce que l'armure nous enseigne? L'armure nous enseigne que pour avoir une vie chrétienne victorieuse, on doit avoir toutes les armes au complet. Si tu as 4 armes, et les 3 autres, tu ne les as pas, tu es déséquilibré. Parce que, regardez, on va prendre un exemple simple. Imaginez-vous ce gladiateur, ou ce soldat romain ou grec qui va à la bataille. Il a son casque, il a, n'est-ce pas, ça, ses jambières au pied, mais il n'a pas de cuirasse. Il a son épée. Mais est-ce que, même si c'est un vaillant guerrier, s'il n'a pas sa cuirasse, il sera facilement atteint par l'ennemi. Il peut tuer autant de personnes, mais s'il n'a pas sa cuirasse au niveau de son thorax, de son pectoral, la moindre épée, la moindre flèche, il va mourir. Mais alors que s'il a sa cuirasse, il peut recevoir des flèches. Et la cuirasse, parce qu'elle est en acier, ça va rejeter les flèches. Il peut recevoir une épée, n'est-ce pas? Mais s'il a sa cuirasse, l'épée va amortir le choc. Merci Saint-Esprit pour ce que tu nous enseignes à cet instant du partage. Chrétiens, soyons revêtus de toutes les armes. C'est pourquoi il est aussi important dans notre vie chrétienne de prier pour dire: Seigneur, montre-moi comment je suis en esprit. Est-ce que j'ai toutes les armes? Est-ce que toutes mes armes sont à leur place? Parce qu'il ne s'agit pas juste de prier pour prier, de méditer pour méditer, de prêcher pour prêcher, de venir ici à la télé partager pour partager. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'être armé. Parce que lorsqu'on va à la guerre, ou dans ce combat spirituel, il y a des retours. Donc tu peux venir bien prêcher, bien partager comme je le fais. Ah, mais si tu n'es pas armé, si tu n'as pas ton armure au complet, les moindres retours qui vont venir, mais tu vas chuter. Comme à l'époque, n'est-ce pas, beaucoup de frères avec qui on allait prêcher l'évangile dans les marchés, les carrefours et tout ça. Lorsqu'on était encore à Libreville, tout ça, pendant des années, on a travaillé comme ça. Mais il y a beaucoup de frères au sortir de la prédication, le soir, ils rentraient, ils se masturbaient. De tomber dans la pornographie. Parce que justement, le combat est spirituel. On a besoin d'avoir toutes les armes au complet pour pouvoir attaquer le royaume de ténèbres. Tu ne peux pas l'attaquer un royaume aussi dangereux que le royaume de ténèbres et ne pas avoir ton armure au complet. Ce n'est pas possible. Donc Paul ici, dans le jeu de jeu, nous encourage à nous revêtir de l'armure complète. Donc, aponilia, je crois en grec. L'armure complète. Prions, frère, prions pour que le Seigneur nous révèle notre état spirituel, c'est important. Prions pour que le Seigneur nous montre quels sont les hommes qu'on a laissés tomber. Moi, je me rappelle, à l'époque, il y a peut-être 4-5 ans, je faisais une vision là où
Je marchais, mais je n'avais plus de chaussures aux pieds. J'avais juste les chaussettes. Et j'avais compris que là, j'avais perdu le zèle de l'évangile. Donc, j'avais plus mes chaussures, mais j'avais juste les chaussettes. Mais comment dans ce combat, je voulais avoir une victoire totale et complète? Et si on nous montre en esprit, on va voir qu'il y a beaucoup de chrétiens parmi nous, on n'a plus de chaussures. Beaucoup, la ceinture a disparu. On n'a plus la ceinture autour de rien. Mais on le verra dans le partage que si tu n'as plus ta ceinture, mais ton pantalon va descendre, ta nudité sera exposée. Donc lorsqu'on perd la ceinture de la vérité, on s'expose au péché. Alors je crois que le Seigneur va beaucoup nous faire du bien ce soir. Parce que mon âme déjà est encouragée, restaurée, encouragée par la parole du Seigneur. Nous avons besoin, chrétiens, vous qui nous suivez, nous avons besoin d'être revêtus de l'armure complète. Parce que le royaume à qui nous faisons face là, c'est un royaume terrible. C'est un royaume qui n'a pas de limite. Le royaume des ténèbres n'a pas de limite. Imaginez-vous l'arrogance, l'orgueil de Satan. Il savait que Yeshua là était le créateur. Il savait que Yeshua était le créateur. Mais il n'a pas eu peur d'aller l'affronter pendant lorsque le Seigneur a passé 40 jours au désert. Il ne s'est pas gêné d'aller éprouver, d'aller tenter la parole faite chair. Vous voyez l'arrogance de Satan, vous voyez son orgueil, vous voyez son audace. Donc s'il a pu le faire avec le Mashiach, aller le tenter au désert, alors qu'il savait qu'il ne pouvait pas avoir gain de cause, mais il est quand même allé tenter. Ce n'est pas avec toi et moi qu'il ne va pas le faire. Donc on a réalisé que nous là, nous sommes les proies pour Satan. Comme la Bible a dit, qui naissent comme des brebis au milieu de loups. Nous sommes des proies. Il veut nous dévorer, comme on l'a vu, n'est-ce pas, dans Pierre. C'est pas moi qui le dis. Nous sommes des brebis. Malheureusement, nous sommes, pas malheureusement, heureusement, nous sommes des brebis. Donc nous avons besoin de ce combat spirituel d'être revêtus de toutes les armes, de toute l'armure. Ne faisons pas des choses pour le buzz. Ne faisons pas des choses pour être vus, pour être connus. Tu sais qu'il y a des armes que tu n'as plus. Assois-toi à la maison, prie pour chercher la restauration et la face du Seigneur. Parce qu'imaginez-vous ce chrétien qui n'a plus de paix de l'esprit, qui a l'image de la parole, qui n'a plus la ceinture de la vérité, mais qui a quand même les chaussures de l'usage de l'évangile. Il va sur le terrain prêché. Les femmes peuvent se convertir même. Mais s'il n'a plus ces deux armes, il est exposé. Donc ici, l'armure nous parle pas de l'armure incomplète, elle nous parle de l'armure complète. Et frère, moi qui vous parle, je vous assure, je suis en train de m'examiner intérieurement à cet instant précis. Je suis en train de réfléchir, de prier pour ma propre vie. Parce que je réalise que frère, servir le Seigneur, ce n'est pas un jeu. Il y a des principes qui ont été établis par le Père lui-même. Il a dit, revêtez-vous de toute l'armure du chrétien pour tenir face aux ruses du diable. Pourquoi parmi nous, beaucoup on tombe parfois dans le péché, dans beaucoup de choses? Mais c'est parce qu'on est désarmé, on n'a plus l'armure au complet. On peut aimer le Seigneur. On peut aimer le Seigneur, on peut tout ça là, aimer le royaume, aimer le ciel et toutes ces choses. Mais c'est un principe. Si l'armure n'est plus au complet, on est exposé. Qui qu'on soit, peu importe l'onction qu'on dégage, chrétien de 20 ans, de 35 ans, de 40 ans de vie chrétienne, de 2 ans, 1 an de vie chrétienne, si tu n'as plus ton armure, assois-toi, reste au pied du Seigneur, demande-lui la restauration. Ne joue pas au samouraï spirituel, ne joue pas au musclo spirituel. On doit s'examiner, Seigneur, révèle-moi mon état spirituel. Ça doit être une prière quotidienne pour chacun de nous. Et même moi-même en rentrant, je fais cette prière pour ma vie, Seigneur, révèle-moi mon état spirituel. Si je vois qu'il y a des âmes qui ont disparu, je m'assois à la maison pour chercher la face du Seigneur. Parce que ne pensez pas que le fait de passer à l'émission fait de nous des personnes au-dessus de quiconque. Nullement, nullement. C'est le Seigneur qui nous connaît. Et c'est le Seigneur à qui on veut plaire et être agréable. C'est pourquoi, frère, la première chose dans le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés, c'est de réaliser si nous avons toute l'armure. Si tu as 5 armes, assois-toi, prie pour que la 6e arme revienne. C'est la parole. Il a dit, revêtez-vous de toute l'armure complète. Il n'a pas dit l'armure qui a 5 armes, qui a 4 armes et tout le reste. Il a dit l'armure complète. Et l'armure complète sont les 6 armes dont Ephésiens 6 d'abord nous parle. Bien sûr, on peut en ajouter d'autres parce que la prière aussi est une arme.
Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Donne-nous vraiment de nous revêtir de toutes les armes, de l'armure spirituelle au complet au nom de Yeshua. Seigneur, si nous avons perdu les armes, restaure-les dans nos vies. Seigneur, si nous avons perdu les chaussures de zèle, restaure ces choses au nom de Yeshua. Père, si nous avons perdu le bouclier de la foi, redonne-nous le bouclier de la foi. Si nous avons perdu l'épée de l'esprit, redonne cela à nos vies au nom de Yeshua. Si nous avons perdu le bouclier, le casque du salut, restaure cela dans nos vies. Si nous avons perdu la ceinture de la vérité, restaure cela, Père. Quand nous ne voulons pas lutter contre ce royaume des ténèbres en étant désarmés, Père. Tu vois toutes les personnes qui nous suivent actuellement chez elles, Père. Tu vois tous ces chrétiens qui ont perdu des armures, qui ont perdu leur âme, qui sont désarmés en esprit. Père, tu restaures les âmes au nom de Yeshua. Seigneur, si j'ai perdu des âmes, personnellement, restaure cela dans ma vie. Restaure toutes ces armes, la prière, la méditation, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité. Quand nous ne voulons pas combattre dans le néant, au nom de Yeshua. Quand nous ne voulons pas frapper dans le néant, Seigneur. Quand le royaume qui est en face de nous, le royaume des ténèbres est un royaume terrible, est un royaume coriace. Père, nous voulons veiller dans la prière. Réveille nos esprits, Père. Réveille-nous au nom de Yeshua. Réveille-nous dans la consécration. Réveille-nous dans la pureté. Restaure toutes ces choses que nous avons perdues. Au nom de Yeshua, le zèle de l'évangile. Père, tu vois nos pieds qui sont déchaussés. Chausse nos pieds à nouveau du zèle de l'évangile. Père Adonai, ressuscite nos esprits. Oh Père, tu vois tous les ossements desséchés qui nous reçoivent actuellement. Tu vois toutes ces personnes qui nous suivent actuellement, qui ont perdu la vie de l'esprit, qui ont perdu la vie d'Elohim. Tu rallumes cela au nom de Yeshua. Père, réveille nos vies, réveille nos esprits. Quand tu reviens bientôt, sors-nous du sommeil spirituel, sors-nous de l'assoupissement par ta puissante main au nom de Yeshua. Seigneur, nous ne voulons pas être une église morte. Nous ne voulons pas une église tiède. Nous ne voulons pas être une église désarmée. Père, tu me vois. Seigneur, tu me connais, Yeshua. Tu vois, si j'ai perdu des âmes, Père, restaure cela dans ma vie au nom de Yeshua. Seigneur, tu vois cette femme de prière. Cette femme, comme Élisabeth, sur qui tu avais déposé une onction dans la prière, le jeu de l'intercession, mais qui a perdu cela à cause des épreuves de la vie. Seigneur, restaure son onction de prière. Seigneur, tu vois cet homme comme Timothée, à qui tu avais posé un fardeau dans l'évangélisation, à qui tu avais donné une paire de chaussures en or pour marcher pour ton royaume, qui a perdu cela. Père, tu restaures ces chaussures au nom de Yeshua. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Rallume-nous. Rallume-nous, Seigneur. Rallume-nous, Seigneur. Merci pour ton esprit qui nous conduit comme il veut. En effet, Père, nous ne sommes pas des religieux limités à un programme. Mais nous voulons faire ce que ton esprit nous demande de faire. Seigneur, tu vois tous ces chrétiens à Port-Gentil qui sont actuellement dans des cercueils. Tu vois tous ces chrétiens que tu me montres en esprit qui sont dans des cercueils. Parce que beaucoup n'ont plus d'armes. Parce que beaucoup sont tombés dans le péché mais qu'ils ont du mal à se relever. Qu'une onction nouvelle, à l'instant où je prie, les saisisse. Au nom de Yeshua. Tu vois toutes ces femmes, comme Marie, comme Myriam, qui ont reçu des manteaux prophétiques. Père Adonai Yeshua. Mais dans les bouches, elles sont fermées. Tu délies les langues par ta main puissante. Au nom de Yeshua. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ces hommes à qui tu as donné des manteaux apostoliques, prophétiques.
pastorale, évangélique, doctorale. Père, merci parce que tu restaures leur manteau au nom de Yeshua. Tu as toutes ces personnes à qui tu as donné des dons de guérison, des dons de miracle, des dons de puissance, des dons de libéralité, des dons d'hospitalité, des dons d'interprétation de langue, des dons de parler en langue. Tu rallumes cela au nom de Yeshua. Seigneur, merci pour ce feu nouveau que tu accordes à ton peuple à Port-Gentil. Merci pour le feu nouveau que tu accordes à ton peuple dans les nations. Au nom de Yeshua. Seigneur, merci pour la nouvelle saison que tu vas permettre dans ton église. Merci parce que dans le secret, tu es en train d'équiper beaucoup de sentinelles, beaucoup de soldats. Au nom de Yeshua. Amen. Que le Seigneur soit béni pour sa grâce. Oui, frère, comme on a pu le voir, je peux vous rassurer que moi-même, je ne maîtrise pas tout ce qui se fait. Le Seigneur n'avait pas programmé ces choses, mais on veut obéir à l'Esprit. J'ai senti sur moi une onction de prière et j'ai voulu simplement obéir au Seigneur. Parce que les chrétiens que nous sommes, on a besoin à nouveau d'être armés. Parce que je vous assure, le combat spirituel ne se limite pas dans nos maisons. C'est bien au-delà. C'est un combat quotidien. C'est un combat de taille. Parce qu'on a un royaume en face de nous, mais qui est terrible. Mais qui est terrible. Imaginez-vous Satan, Lucifer, il commence sa rébellion au ciel. Ça doit nous interpeller. Il était dans la présence palpable, parfaite du Mashiach, d'Elohim, du Créateur. C'est au ciel où Satan a commencé à s'enorgueillir, où Satan a commencé à vouloir prendre le trône du Créateur, du Souverain. Imaginez-vous tous ces archanges qui étaient pour certains autour du trône, qui étaient pour certains des messagers. On dit que Satan a séduit le tiers des anges au ciel. C'est terrible. Ça veut dire que c'est un adversaire tellement coriace que si on le méprise, si on le néglige, il va vraiment nous atteindre. Pour que Satan ne nous atteigne pas, pour qu'il n'arrive pas à nous détruire, nous avons besoin de nous revêtir de l'armure complète. Et frère, je vous assure, c'est comme si le Seigneur était d'ouvrir mon esprit. Je réalise que la vie chrétienne n'est pas un jeu. N'est vraiment pas un jeu. Ce n'est pas une affaire de dons, de grâce, de talent d'abord. C'est une affaire de principe. Et nous devons être revêtus de cette armure. De cette armure au complet. Que le Seigneur nous aide au nom de Yeshua. On va repartir sur Éphésiens chapitre 10. À partir du verset, on va lire la suite. Donc, revêtez-vous de l'armure. Revêtez-vous de l'armure complète d'Elohim. Afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez l'armure complète d'Elohim, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et après avoir tout accompli, tenir ferme. Les frères, nous allons enlever le passage un instant. Ce passage, honnêtement, m'interpelle fortement. Il va dire, revêtez-vous de l'armure. C'est pourquoi revêtez-vous de l'armure complète pour pouvoir résister lors du mauvais jour. C'est quoi le mauvais jour? Je vais être honnête avec nous, frères et sœurs. Le mauvais jour, c'est tous les jours. Pourquoi le mauvais jour, c'est tous les jours? Le mauvais jour, c'est tous les jours de nos vies parce que chaque jour, dès le lever du soleil, dès le lever du jour jusqu'à son coucher, durant la nuit, Satan met tout en œuvre, tout en place pour nous détruire, pour nous faire chuter, pour nous faire tomber, pour nous atteindre. Et vous voyez que si tous les jours, on n'est pas revêtu de cette armure complète, on peut se retrouver à prêcher l'évangile, mal dans la pornographie, l'ivrognerie, l'adultère et tout ce qu'on veut, frère.
C'est pourquoi dans ce combat spirituel, ce n'est pas une affaire d'heure. Le combat spirituel, c'est 24 sur 24. Ce n'est pas uniquement la nuit. Le combat spirituel, c'est 24 sur 24. C'est en permanence, c'est en tout temps, c'est à toute heure. En tout temps, en toute heure, toute minute, toute seconde, nous devons veiller à ce que notre armure soit au complet, frère. On peut faire beaucoup de choses pour le Seigneur. Imaginez-vous Démas qui marchait avec Paul. Paul n'était pas n'importe qui sur le plan du service de l'ancien. Mais Démas a néanmoins abandonné Paul. Pour quelle raison? Pour l'amour du siècle présent. C'est-à-dire que Paul, Démas marchait avec Paul, mais son cœur était déjà atteint. Et quand le cœur d'un chrétien est atteint par la séduction, lorsque le cœur d'un chrétien est atteint par le mal, ne vous y trompez pas, c'est parce qu'on a perdu la cuirasse de la justice. Parce qu'on a perdu la cuirasse de la justice. Quand vous voyez un chrétien qui nourrit tellement les mauvaises pensées, c'est le signe qu'il a perdu le casque du salut. Frère, vraiment, je ne veux pas faire comme j'ai l'habitude de faire. Je préfère laisser le Seigneur nous enseigner comme il veut. Hein. Honnêtement, je préfère. Quand vous voyez un chrétien qui ne prêche plus l'évangile, il peut voir son voisin, il peut voir les personnes autour, il ne prêche plus l'évangile, c'est qu'il n'a plus de chaussures. Donc on peut prier pour que le Seigneur nous revienne aux états spirituels, mais il y a des signes qui accompagnent quelqu'un qui n'a plus d'armes. Un chrétien qui facilement est ébranlé dans sa foi, toutes les situations, toutes les épreuves ébranlent ce chrétien, c'est que ce chrétien a perdu le bouclier de la foi. Un chrétien qui facilement se laisse aller par des faux enseignements, qui est facilement dans le mélange, qui est facilement dans la compromission, dans la corruption, qui ment facilement, qui est facilement en train d'exagérer, d'inventer les choses, qui est dans l'hypocrisie, qui est dans la ruse, qui est dans la malice, sachez que ce chrétien a perdu la ceinture de la vérité. Oui, frère. Donc on peut s'examiner pour savoir si nos armes sont là, si notre armure est encore complète. Un chrétien qui critique beaucoup, qui parle beaucoup, ce chrétien a perdu le casque du salut. Un chrétien qui prend plaisir avec ses oreilles à écouter des choses impures, c'est un chrétien qui n'a plus le casque du salut. Oui, chrétien, examinons-nous pour savoir si notre armure est encore au complet. Amen. Donc on va remettre le passage sur l'écran. Merci Seigneur pour ta parole. Est-ce qu'on peut remonter s'il vous plaît au verset 12? Voilà. Donc on va faire un petit rappel. On va faire un petit rappel par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois. Si les frères peuvent réafficher le message, j'ai pas bien vu. Donc parce que notre lutte n'est pas contre la chair, n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de la ténèbre, du fait âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. On va encore lever le passage. Donc la semaine dernière, on expliquait que les principautés, on l'avait vu, nous parlent du premier chef. Donc les principautés nous parlent premièrement de Satan. Celui le chef du royaume de la ténèbre, c'est Satan. Et on a vu qu'après Satan, il y a des démons, il y a des esprits qui viennent après lui, qui sont des principautés. On a vu que cette catégorie de démons travaille beaucoup dans les territoires. Donc les principautés nous parlent des démons des pays, des démons territoriaux. Ça, c'est les principautés. Donc, la principale principauté du royaume de la ténèbre, c'est d'abord Satan. Et après Satan, il y a une deuxième catégorie de démons, des esprits qui viennent après lui. Cette catégorie de démons, des esprits qui travaillent dans les territoires. Parce que ces démons sont coriaces. Troisièmement, on a parlé après des principautés. Paul parle des autorités. On a dit que les autorités, cette deuxième catégorie, ou cette troisième catégorie qui vient après Satan. Donc, on a Satan. Là, c'est l'ordre dans le royaume des ténèbres. Il y a Satan, il y a les principautés, donc la deuxième catégorie de démons et des esprits qui travaillent dans les territoires, dans les pays.
Et après, dans la troisième catégorie de démons, on a les autorités. On a dit que les autorités sont des démons, des esprits qui travaillent dans les villes, dans les villages, dans les quartiers. On avait vu par exemple qu'il y a des quartiers, plus que d'autres, qui sont emprunts à la pornographie, au braquage, à l'ivrognerie. C'est ces autorités-là qui travaillent. Et on a vu que la quatrième catégorie, c'est les seigneurs. Comme c'est écrit dans le passage, les seigneurs. Et on a dit que les seigneurs, cette catégorie de démons qui travaillent dans les vies de façon personnelle et qui travaillent aussi dans les familles. Donc voici un peu la hiérarchie. Donc on a Satan, qui est la principale principauté. Après Satan, on a les principautés, donc les démons territoriaux des pays. Après les démons territoriaux, on a les autorités qui travaillent dans les villes, les quartiers, les villages, les cantons, les districts, tout ce que vous voulez. Et puis après, on a les seigneurs. Et les seigneurs sont ces démons, cette divinité qui travaille dans les vies des hommes et dans les familles, pour détruire les familles, pour détruire les vies de façon totale et complète. Et après, le Seigneur, on a dit qu'il y a les esprits méchants dans les lieux célestes. On a dit que ces esprits sont des esprits qui travaillent aussi au quotidien. Notamment les esprits de sorcellerie, les esprits humains, les maris de nuit, les femmes de nuit. Donc, les esprits méchants, là, cette catégorie-là, des femmes de nuit, des maris de nuit, l'esprit de sorcellerie, l'esprit humain, les esprits, n'est-ce pas, voilà. Ces esprits qui travaillent au quotidien, ils sont dans l'air. Donc, ça fait la, plus ou moins la hiérarchie dans le royaume des ténèbres, comment je se présente. Mais chrétiens, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans, par rapport à cette hiérarchie? Est-ce que c'est pour dire que telle catégorie de démons va nous attaquer, pas une autre catégorie? Non, puisqu'on voit que Satan attaque tous les chrétiens. Les principautés, les démons territoriaux, tu es dans un pays, le démon du territoire va t'attaquer. Tu es dans une ville, le démon de la ville va t'attaquer. Tu es dans un quartier, le démon du quartier va t'attaquer. Tu es dans une famille, la divinité de ta famille va t'attaquer. Et toi-même, tu es un humain, quelqu'un que le Satan recherche, le démon, n'est-ce pas, qui travaille dans les hommes, va aussi t'attaquer. Amen. Donc, Satan travaille sur plusieurs terrains. Mais maintenant, en fonction des appels, en fonction des onctions, en fonction des autorités que le Seigneur accorde, les dimensions ne sont pas les mêmes. On est d'accord, par exemple, que le démon qui pouvait attaquer, je veux le dire parce qu'il n'est plus là, qui pouvait attaquer David Wilkerson, hein, monsieur, un prophète véritable qui a servi le Seigneur pendant plus de 50 ans, 60 ans de sa vie. Les démons qui attaquaient ce monsieur, ce n'est pas les mêmes démons qui peuvent m'attaquer avec mes petits 15 ans de vie chrétienne, par exemple. Le démon qui peut attaquer un chrétien, n'est-ce pas, qui pouvait attaquer Osborne du haut de ses 50 ans de vie chrétienne, ce n'est pas le même démon qui peut attaquer un chrétien qui n'a que 3 ans de vie chrétienne. Donc on voit que du haut de cette hiérarchie, en fonction encore des catégories, en fonction des appels, en fonction de vie, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur veut faire avec chacun, et en fonction du nombre d'années dans la foi, il y a une catégorie de démons qui nous attaquent selon une proportion bien précise. Parce que n'oublions pas, les frères, on va laisser Ephésiens 6 pendant un moment, on va aller dans 1 Corinthiens 10, je crois, à partir du verset 13. Hein, parce que le Saint-Esprit vient de me siffler là. Pour comprendre le fait que, malgré cette hiérarchie, tous les chrétiens ne sont pas attaqués par la même catégorie de démons, faisant la même proportion, la même dimension. En fonction du nombre d'années dans la foi, en fonction de l'appel, et en fonction de ce que la personne, du niveau de consécration de la personne, les attaques sont proportionnelles à ces critères. Donc on est dans 1 Corinthiens 10 à partir du verset 13. C'est vrai qu'ici il s'agit de l'épreuve, mais je vous amène à comprendre une réalité spirituelle. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'a été humaine. Mais Elohim qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez à l'épreuve au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Merci, on va lever le passage. Donc ici, ça s'agit de l'épreuve, mais le Seigneur nous apprend qu'il ne va pas nous éprouver à donner force. C'est la même chose avec les attaques des démons, les attaques de la ténèbre. Le Seigneur ne va jamais permettre qu'une catégorie de démons puisse nous attaquer si cette catégorie ne répond pas à notre niveau de foi. Donc un chrétien qui a un an de vie chrétienne, le Seigneur ne permettra jamais qu'un démon, n'est-ce pas, qui doit attaquer un chrétien de 20 ans de vie chrétienne, attaque ce chrétien, parce que il n'y aura pas match. Il faut le dire comme ça, comprenez ce qu'on vous amène à comprendre. On a la victoire sur tous les démons, on a la victoire sur le royaume des ténèbres. Mais après, le royaume des ténèbres a des réalités, le combat spirituel a des réalités. Dans ce combat, il y a des catégories de démons qui sont données pour une catégorie de chrétiens. Exemple, simple et clair. Un chrétien qui dans le monde n'avait pas de problème avec l'alcool, n'avait pas de problème avec les bagarres,
mais dans sa masse chrétienne, le démon de l'alcool ne va jamais l'attaquer. Le démon de bagarre ne va jamais l'attaquer. Pourquoi? Parce que dans le monde même, il ne se battait pas. Il était doux et calme. Vous voyez, non? C'est ce qu'on veut amener à comprendre. Que même dans cette catégorie, prenons un cas simple. Vous avez deux personnes qui avaient le même problème. Dans le monde, lui, il avait des problèmes. Il pouvait sortir avec 50 femmes facilement. Vous avez l'autre qui pouvait sortir avec 4 femmes. Quand le démon se convertit, le démon qui va les attaquer sera le démon des eaux, le démon d'impudicité. Mais la proportion sera différente en fonction, n'est-ce pas, de la foi de chacun, du niveau de consécration de chacun et de l'appel de chacun. Amen. Donc les deux avaient certes le même problème. Mais juste celui qui avait, n'est-ce pas, 50 copines dans le monde à 10 ans de vie chrétienne, la catégorie des démons qui va l'attaquer ne sera pas la même que celui qui a à peine 2 ans de vie chrétienne, parce que le Seigneur est juste. Il ne va pas permettre qu'on soit éprouvé, qu'on soit tenté, attaqué au-delà de nos limites et de nos forces. Si pas de limites et de forces, c'est parce qu'il y a une proportion de foi que le Seigneur a accordée à chacun de nous. Ma foi n'est pas la foi de mon frère. La foi de mon frère n'est pas la foi, n'est pas ma foi. Amen. Le combat que Paul a vécu, si je vis ce combat, je vais m'ébranler. Parce que je n'ai pas le même degré de foi que Paul ou que Pierre. Voici ce qu'on va amener les chrétiens à comprendre. Que donc, il y a une hiérarchie, ça, démoniaque. Mais dans cette hiérarchie, le Seigneur, n'est-ce pas, ne permet pas qu'on soit éprouvé au-delà de nos, attaqué par les démons, au-delà de nos limites, de notre foi, de notre force. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Toi, tu es évangéliste. Tu laisses nos couloirs évangéliques. Tu vas t'appeler prophète, apôtre, pasteur ou docteur. Mais à chaque appel, il y a une catégorie de démons par rapport à un appel. Donc, parce que tu n'as pas reçu, par exemple, l'appel doctoral ou pastoral, si tu vas travailler dans ce couloir, les démons des docteurs, des pasteurs vont t'attaquer, ils seront au-dessus sur toi parce que tu n'as pas reçu le manteau pour supporter les tentations là. C'est ce qu'on doit comprendre. Il ne faut pas aller toucher les choses que le Seigneur ne nous a pas demandé de toucher. C'est ça aussi. On va dire, oui, on a remporté, on a eu la victoire sur les ténèbres, tout ça, je dis, Yeshua, toi, on porte à la croix. C'est vrai, c'est la parole. Mais après, dans cette parole, il y a des principes. Tu n'es pas pasteur, tu es prophète. Ne cherche pas à travailler comme un pasteur parce que les combats liés au service pastoral, tu ne pourras pas les supporter. Parce qu'à chaque ministère, il y a des démons qui sont associés. Il y a des combats qui sont associés dans le combat spirituel. Amen. À chaque niveau de foi, il y a des combats qui sont à allouer. C'est pourquoi lorsque tu vois un chrétien qui a, par exemple, 15 ans de vie chrétienne, il a un degré de foi. Il peut aller prier pour un fou. Toi, tu as un an de vie chrétienne, si le Seigneur ne t'a rien, il ne va pas t'hasarder. Comme je vais prendre ce cas d'un chrétien frère, n'est-ce pas, qui a touché des choses bizarres, tout ça. Un frère, il a touché des choses bizarres et puis il s'est retrouvé frappé par un esprit de folie et tout le reste. Et il y a un frère qui a vu un autre frère aller prier pour lui, il s'est hasardé à aller prier. Alors que ce cas-là n'était pas proportionnel à sa foi. Même dans la délivrance, même dans la guérison, même dans l'enseignement, la prédication, tout est proportionnel à la foi et à l'appel de chacun. Donc, qu'est-ce que ce frère a fait? Parce qu'il a vu l'autre prier, il a dit, mon fils, il va aller prier. Mais en allant prier, il doutait, il avait peur. Donc il a chopé le même esprit. Et justement, il manifestait maintenant un démon bizarre, un démon vraiment bizarre, tout ça là. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est que dans la vie chrétienne, il y a des principes. Ne touchons pas des choses. Ne touchons pas des services que Dieu ne nous a pas donnés. Ne touchons pas, n'est-ce pas, des dons de grâce que Dieu ne nous a pas donnés. Savons-le humblement et simplement. Voilà pourquoi justement, vous voyez, il y a beaucoup de pasteurs là, il y a beaucoup de serviteurs du Seigneur, je vais le dire comme ça, qui ont été véritablement appelés par le Seigneur. Mais parce que c'était pas aussi le temps pour eux de rentrer dans certaines choses, ils sont rentrés de façon prématurée, ils n'ont pas supporté la pression qu'il y avait derrière ces appels. Parce que regardez, frère, Yeshua était Elohim. Il pouvait sauver l'humanité à l'âge de 15 ans. Mais il a attendu 30 ans, pourquoi? Parce que 30 ans, chez les juifs, c'était l'âge à laquelle les hommes rentraient dans le service de la sacrificature. Donc il a respecté le principe qui avait été établi, bien qu'il était Elohim dans le corps d'un humain. Bien que Elohim se soit incarné dans le corps de Yeshua, il a attendu 30 ans parce qu'il était là de la sacrificature. C'est-à-dire que même lui-même, le Créateur, il a respecté le principe. Yohanan le Baptiste,
a refusé que le machin le baptise. Il a dit non, faisons ce qui est convenable. Parce que vous voyez, frère, le Seigneur peut t'avoir donné un appel. Si tu rentres dans ce dernier avant le temps, les combats spirituels, l'assaut des ténèbres qui viendra par rapport à cet appel, tu ne vas pas supporter. C'est pourquoi nous nous précipitons par rapport à rien. Attendons le temps. Alléluia. Donc vraiment, je voulais apporter cette précision pour que les chrétiens comprennent que le Seigneur est juste. C'est un Père et il nous aime. Donc il ne va pas permettre qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces. Il ne va pas envoyer des démons qui vont nous... qui ne seront pas il ne va pas permettre des attaques dans nos vies qui ne seront pas proportionnées à notre degré de foi. Si le Seigneur sait que s'il permet une apparition de démons dans ta chambre, tu vas fuir, tu peux devenir fou, tu peux perdre la tête, il ne le permettra jamais. Parce que merci Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui se posent parfois des questions. Pourquoi le Seigneur ne m'amène pas en enfer? Pourquoi il ne m'amène pas au ciel? Pourquoi il ne me permet pas de vivre telle expérience? Pourquoi il permet juste à tel? C'est parce que justement le Seigneur fait tout proportionnellement à la foi qu'il nous a donnée. C'est pourquoi il ne faut jamais se concurrencer, il ne faut jamais être dans les comparaisons. L'autre prie, tu pries, le malade ne guérit pas. L'autre vient, il prie, le malade guérit, ne le jalouse pas. Il n'est pas meilleur que toi, il n'est pas plus fort que toi. C'est la proportion de foi qu'il a reçue qui est au-dessus de la tienne. Et le combat qu'il y aura dans cette guérison, lui va supporter. Mais le Seigneur sait que le combat qu'il devait avoir par rapport à cette guérison, toi tu n'allais pas supporter, tu es devenu orgueilleux et fou. C'est pourquoi justement le Seigneur permet que tout ce qu'on vive soit proportionné à notre degré de foi. Même dans les attaques des ténèbres, c'est proportionné à notre degré de foi. Merci Seigneur. Donc voici un peu la hiérarchie spirituelle. Satan, après les principautés, des démons territoriaux, les autorités, des démons de ville, de quartier, de village, les seigneurs, les démons de famille, les démons qui travaillent dans les villes de façon individuelle, et les esprits méchants de l'Église, donc ces esprits qui attaquent les chrétiens au quotidien, les femmes de nuit, les maris de nuit, n'est-ce pas, les esprits des eaux, l'esprit de sorcellerie, l'esprit humain. Donc voilà un peu ce qu'on va dire par rapport à l'organisation spirituelle. Donc on va poursuivre, frère, on va remettre le passage s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 13, à partir du verset, verset 13. C'est pourquoi prenez l'armure complète de l'homme afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et après avoir tout accompli, tenir ferme. Verset 14. Donc là, on va maintenant rentrer de plein pied dans les armes. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice, ayant vos pieds chaussés, prêt pour l'évangile de paix, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du mauvais. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole d'Élohim. Verset 18. Parce que souvent on oublie ce verset 18 alors que justement la prière fait partie des armes d'Éphésiens 6, mais on ne le dit pas souvent. Priez en tout temps dans l'esprit, à travers toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance et prier aussi au sujet de tous les saints. Amen. On va lever le passage. Donc, merci Seigneur pour ta parole. On apprend ici que les armes de Éphésiens 6, ce n'est pas uniquement les 6 armes qu'on a l'habitude de réciter. La prière fait partie des armes d'Éphésiens 6. Il dit prier en tout temps. Donc, on va développer les différentes armes par la grâce du Seigneur et on verra pourquoi on doit les avoir. Donc, on a le casque du salut. Le casque du salut, c'est quoi son rôle? Le rôle du casque du salut, c'est de nous amener à veiller par rapport à ce qu'on voit. Le casque nous aide à veiller par rapport à ce qu'on entend. Le casque nous aide à veiller par rapport à ce qui sort de notre bouche. Le casque nous amène à veiller par rapport aux pensées qu'on nourrit. Donc, l'utilité du casque dans le combat spirituel, c'est lequel? Le casque, lorsqu'il est bien assis, lorsqu'on a notre casque, n'est-ce pas, du salut, il nous aide à veiller sur ce qu'on écoute, il nous aide à veiller sur ce qu'on dit, il nous aide à veiller sur ce qu'on voit, il nous aide à veiller sur les pensées qu'on nourrit. Pourquoi on parle du casque du salut? Parce que le casque du salut est censé nous rappeler l'espérance de notre salut, la raison pour laquelle Yeshua nous a sauvés. Donc un chrétien
qui n'a plus son casque est un chrétien qui peut facilement faire nos phrases par rapport à la foi. On n'a pas du casque de la musique, on a du casque du salut. On n'a pas du casque de la prédication ou de tout ce que vous voulez, on a du casque du salut parce que lorsque ce casque est sur nos têtes, il nous rappelle sans cesse la raison pour laquelle on a été sauvé. Il nous rappelle, n'est-ce pas, l'espérance de notre salut qui est la vie éternelle, qui est la nouvelle Jérusalem. Donc voici l'utilité du casque du salut dans la vie du chrétien. Le casque nous aide à veiller sur nos yeux, ce qu'on voit. Le casque nous aide à veiller sur ce qu'on sort de nos bouches. Le casque nous aide à veiller sur ce qu'on entend de nos oreilles. Le casque nous aide à veiller sur les pensées que nous nourrissons et que nous acceptons au quotidien. Et le casque nous aide à nous rappeler que nous sommes sauvés pour le ciel, pour les noces. Nous rappelle en permanence l'espérance de notre salut. On va prendre un passage dans Philippiens 4 à partir du verset 6, je crois. Donc on ne sera pas long par rapport aux armes, par rapport aux différentes armes. On va se développer un tout petit peu et on va s'arrêter par là pour ce thème. À partir du verset 8, Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses honorables, toutes les choses justes, toutes les choses pures, toutes les choses acceptables, toutes les choses de bonne renommée, toutes les choses où il y a quelques vertus et quelques louanges, ces choses, méditez-les. Merci, frère. Dans notre version, on dit que ces choses sont l'objet de vos pensées. Mais si on dit méditez-les, pourquoi? Parce qu'on médite au niveau de la pensée. Amen. On médite au niveau de la conscience. Nous faisons dire que la parole doit être gravée dans nos cœurs, mais aussi dans nos consciences. Donc on médite au niveau certes du cœur, mais on médite au niveau de la tête, au niveau de la conscience, avec la tête qu'on réfléchit. Donc il dit méditez-les, pour dire que le casque du salut nous aide à nourrir, à accepter les bonnes pensées. Donc il dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vrai, tout ce qui est vertueux sont l'objet de vos pensées. Amen. Donc un chrétien qui a son casque à sa place est un chrétien qui ne se laissera pas influencer par les mauvaises pensées. Et comme on veut le dire, est-ce qu'avoir une mauvaise pensée, c'est un péché? Non. Parce que les pensées viennent de la multitude d'occupations, les pensées viennent aussi de la puissance de l'air de Satan qui est là qui les insuffle. Mais lorsque les pensées arrivent, nous ne devons pas les nourrir et nous ne devons pas les accepter. Amen. Donc la pensée peut nous traverser l'esprit, nous devons la rejeter, la chasser. Exemple simple. Je marche à la route et je crois qu'il y a une jolie fille qui marche par là. Une pensée subite arrive, Jagla. Cette pensée ne vient pas naturellement de moi, elle vient de Satan. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire, je te chasse mauvaise pensée au nom de Yeshua et j'avance. Maintenant, à quel moment je pêche? Je pêche au moment où quand la mauvaise pensée arrive, je commence à m'arrêter et à commencer à convoiter la jeune fille. C'est là où je pêche. Amen. Une pensée peut te traverser, comme tu n'as rien à manger, je dois voler chez le voisin. C'est une pensée qui vient certainement des ténèbres. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois la refuser, la refouler au nom de Yeshua. Une mauvaise pensée peut te venir, n'est-ce pas, de faire du mal. Et tu dois la rejeter, la refuser au nom de Yeshua. Donc voilà un peu l'utilité du casque du salut. Il nous aide par rapport aux pensées, par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on dit, ce qu'on entend. Il nous aide aussi par rapport à l'espérance de notre salut. Il nous rappelle la raison pour laquelle on a été sauvé. Merci. On va repartir dans Éphésiens 6 pour voir la deuxième arme. Donc, première arme, le casque du salut. Après le casque du salut, on va remonter un peu. On est où là? On est au verset 13, les frères. Non, 14. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. On va enlever encore le passage. Deuxième arme, la ceinture de la vérité. Donc la première arme qu'on a vue, on ne va pas forcément définir par aller dans l'ordre chronologique là-bas. Voilà. Donc, deuxième arme, la ceinture de la vérité. C'est quoi l'importance de la ceinture de la vérité? Comme on le fait naturellement, lorsqu'on porte un pantalon, c'est vrai, il y a des pantalons sur mesure, on comprend, mais c'est pas de ça dont il s'agit. Mais on sait que le rôle de la ceinture, c'est de soutenir le pantalon naturellement. Si les pantalons se tenaient seuls, les créateurs n'auraient pas mis en place des ceintures, on est d'accord. Donc l'objectif de la ceinture, c'est de tenir notre pantalon pour éviter que notre nudité soit exposée. Parce qu'on est d'accord que lorsqu'on porte un pantalon, n'est-ce pas, si on n'a pas de ceinture, il va descendre de la nudité exposée. Donc le rôle de la ceinture de la vérité, n'est-ce pas, c'est lequel?
c'est de nous empêcher, nous éviter de tomber dans le péché. Amen. Donc le rôle de la ceinture de la vérité, c'est de nous éviter de tomber, un, dans le péché. Le rôle de la ceinture de la vérité, c'est de nous éviter de tomber, deux, dans les fausses doctrines. Le rôle de la ceinture de la vérité, c'est de nous éviter de tomber, trois, dans le mélange. Amen. Donc, voici l'utilité de la ceinture de la vérité. Donc, un chrétien qui n'a pas sa ceinture de la vérité est un chrétien qui se laissera aller par le mensonge. Parce que nous n'oublions pas, Paul a dit dans son épître à Timothée, que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, frères et sœurs, sachant qu'il y a tellement de doctrines de démons qui pullulent, qui circulent. Et si on n'a pas la ceinture de la vérité, on va croire à l'évangile du mensonge. Et merci Seigneur, fait chrétien, n'est-ce pas, qui croit à l'évangile de la prospérité, l'évangile de venir à Yeshua pour le mariage, pour les enfants, c'est des chrétiens qui n'ont pas leur ceinture sur leur rein. Parce que seulement qu'on n'a pas la ceinture de la vérité, on va croire à l'évangile de l'erreur, à l'évangile du mensonge. Donc le rôle de la ceinture de la vérité, c'est de nous faire demeurer, c'est de nous garder dans l'évangile pur, de nous garder dans l'évangile véritable. Et Paul l'a dit dans Éphésiens 1 à partir du verset 13. Et vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, on parle de la parole de la vérité. Parce qu'il y a tellement d'évangiles qui sont prêchés, qui sont enseignés, mais qui sont basés sur l'homme, sur la chair, sur l'argent, sur le péché. Ce n'est pas l'évangile de la vérité. Donc l'évangile véritable est cet évangile qui est basé, centré sur la personne de Yeshua. Et justement, Paul nous demande d'avoir la ceinture de la vérité, c'est pour ne pas nous laisser emporter par des fausses doctrines, par des faux enseignements, par des faux messages, par le mensonge, par la ruse de la ténèbre. Et on va prendre juste un passage dans Psaume. On va prendre Psaume, n'est-ce pas? Le chapitre 119, on va lire le verset 105. Psaume 119, verset 105. Donc on ne sera pas très long sur les différentes armes. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. On va descendre au verset 130. L'ouverture de tes paroles, apporte la lumière. Elle donne de l'intelligence aux stupides. Verset 160. Verset 160, on va monter. Psaume 119, verset 160. On va descendre doucement. Verset 160. On y est presque, verset 160. Chapitre 119, verset 160. Bon, les frères ont un peu du mal, mais le psaume chapitre 119, quand les frères vont le retrouver, ils pourront l'afficher sur le passage. Dit que l'ensemble, ta parole est la vérité. L'ensemble de ta parole, de ton enseignement est la vérité. Donc les frères, dès qu'ils vont trouver le passage, ils pourront l'afficher, il n'y a pas de souci. Donc, on retient ici simplement que nous devons avoir la ceinture de la vérité. Pourquoi? C'est pour réfuter les contradicteurs. Pourquoi on doit avoir la ceinture de la vérité? C'est pour nous opposer à tous les évangiles qui ne sont pas basés et centrés sur la personne de Yeshua. Pourquoi devons-nous avoir la ceinture de la vérité à nos reins, n'est-ce pas? C'est pour réfuter les évangiles qui reviennent de l'enfer. Amen. Donc, voilà un peu. Merci les frères. Donc, on a une petite difficulté. Donc, pour la suite, certainement, on ne pourra plus afficher les passages. Il n'y a pas de problème, frère. Nous sommes là. Nous sommes dans le combat spirituel et Yeshua est Seigneur. Donc, le psaume 160, je vais le chercher avec ma Bible ici. Il n'y a pas de problème. Donc, on est ensemble. Psaume chapitre 119, le verset 160, on va le lire. Dit. Donc, on est dans le psaume chapitre 119, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Donc le fondement de ta parole est la vérité. Donc pourquoi devons-nous avoir la ceinture de la vérité? Parce que justement, le fondement de la foi chrétienne est basé sur la vérité qui est Yeshua. Jean 14, 6.
car il est le chemin, la vérité et la vie. Donc cette ceinture nous donne de marcher dans la vérité, dans la lumière. Cette ceinture nous donne de prêcher l'évangile véritable. Et on apprend ici que le fondement de ta parole est la vérité. Donc le fondement, c'est qui? C'est Yeshua. Et sa parole est la vérité. Donc cette ceinture nous donne de marcher avec Yeshua qui est la vérité. Et cette ceinture, n'est-ce pas, nous donne de nous opposer aux faux messages, aux faux évangiles, aux évangiles qui nous parlent de la terre, qui nous encouragent à pécher, aux évangiles qui nous encouragent, n'est-ce pas, à ne pas honorer le Seigneur. Amen. Donc la deuxième arme, c'est la ceinture de la vérité. Donc on va repartir dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens, n'est-ce pas, on est dans le chapitre, sur le chapitre 6. On va lire à partir du... On va lire la suite. C'est pourquoi, verset 13, ah, c'est de retour, merci Seigneur. Tenez donc ferme, ayant vos reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice. C'est bon, on va lever le passage. Donc on a parlé en premier lieu du casque du salut, on a vu. On a parlé de la ceinture de la vérité. Là, on parle de quoi? Du bouclier, la cuirasse de la justice, c'est ça? Alors, la cuirasse reste où concrètement? La cuirasse reste au niveau du pectoral, au niveau de, donc de la poitrine. C'est bien ça, parce que le bouclier est ici. Oui, donc la cuirasse, c'est le pectoral. La cuirasse, on la porte au niveau de la poitrine. C'est quoi l'objectif de la cuirasse de la justice? L'objectif de la cuirasse de la justice nous a amené à demeurer dans la justice, dans l'équité, dans la vérité. Et on va prendre un passage chez les frères, si la Bible est de retour, dans Proverbes chapitre 4. Proverbes 4 à partir du verset 23. Proverbes 4, 23. Donc là, on parle de la cuirasse de la justice. Et la cuirasse, on a dit, est placée au niveau du pectoral, au niveau de la poitrine, autant pour moi. Et l'objectif de la cuirasse de la justice, c'est de nous amener à veiller principalement sur notre cœur. Parce que le cœur est ici au niveau de la poitrine, et notre âme est aussi au niveau de la poitrine ici. Donc la cuirasse de la justice nous aide à veiller sur nos cœurs, sur nos âmes, sur les motivations de nos cœurs. Nous aide, n'est-ce pas, à être dans la justice, à ne pas être dans l'injustice, à être dans la droiture, à être dans l'équité. Si les frères, tout le pari pourront l'afficher. Proverbe 4, le verset 23. Proverbe chapitre 4, on lira à partir du verset 23. Je vais chercher avec ma Bible, il n'y a pas de souci. Proverbe chapitre 4, on lira à partir du verset 23. Proverbe 4, 23. Donc vous êtes à Proverbe 5, c'est Proverbe 4, les frères. Proverbe 4, 23. Merci. Donc Proverbe 4, 23 dit, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui procèdent les sources de la vie. Je vais relire. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui procèdent les sources de la vie. Merci. Donc ici, on va enlever le passage. Donc ici, Salomon, n'est-ce pas, éclaire. Il dit, garde ton cœur de tout ce dont il faut se garder, car de lui procèdent les sources de la vie. Et justement, la cuirasse est là, au niveau de notre cœur, au niveau de la poitrine, pour nous aider à veiller sur notre cœur. Parce que ici, Salomon ou Shélémon nous apprend que toutes les sources de la vie jaillissent ou proviennent de notre cœur. Et dans la vie, on a deux sources. Les sources bonnes et les sources amères. Comme Jacques l'a dit, l'eau douce et l'eau amère. Et Yeshua, dans les évangiles, a dit que c'est du dedans du cœur que viennent les adultères, les infidélités, le mensonge, le mal et tout cela. Donc, on doit réaliser que la cuirasse de la justice placée au niveau de la poitrine nous aide à veiller sur notre cœur. Parce que notre cœur est fragile, notre cœur est sensible. Facilement, on va te critiquer, ton cœur va être touché. C'est pourquoi il faut avoir ta cuirasse. Pour ne pas laisser ton cœur être percuté par les mauvaises paroles des hommes. Pour ne pas laisser ton cœur être affecté par les critiques, par les calomnies. Il faut la cuirasse de la justice. Pourquoi il faut la cuirasse de la justice? Parce que le cœur est fragile.
Le cœur est faible. Et nos cœurs, n'est-ce pas, ont besoin chaque jour de la grâce du Seigneur. Et on a appris que du cœur vient les sources de la vie. Chrétien comme pas chrétien, les sources de nos cœurs là. Le Bible dit que le cœur de l'homme est quand même plus profond. Et seul Yahweh sait y puiser. Parce que nos cœurs ont besoin chaque jour de la grâce du Seigneur. L'hypocrisie vient d'où? Du cœur. L'orgueil vient d'où? Du cœur. Le mensonge, l'adultère, l'infidélité, toutes ces choses viennent au niveau du cœur. La couronne de la justice va nous aider à sélectionner les bonnes sources qui jaillissent de notre cœur. Donc voici le rôle de la couronne de la justice. Nous aider à sélectionner les bonnes sources qui doivent jaillir de notre cœur. Voici nous aider à verser tout ce qu'on écoute, tout ce qui rentre dans notre cœur. Parce que si on écoute des choses mauvaises, ça peut affecter notre cœur. On parle du cœur, on parle aussi de l'âme. Et comme on le sait tous, l'âme est le siège des émotions et des sentiments. Donc par la cuirasse de la justice, n'est-ce pas, la cuirasse est là pour nous aider à sélectionner les émotions et les sentiments de nos cœurs. On n'est pas nous laisser emporter partout. Donc voici l'importance de la cuirasse de la justice. Nous aide à veiller sur les émotions et les sentiments de notre âme aussi. La haine, le manque de pardon, le mépris, les jalousies, les concurrences, c'est au niveau de l'âme, au niveau du cœur. Et la cuirasse de la justice est là pour nous aider à veiller, à trier. On parle de justice, non? Parce qu'elle trie ce qui est mauvais. Elle les met de côté tout ce qui est injuste, tout ce qui n'est pas correct. Voici le rôle de la cuirasse de la justice qui est au niveau du cœur, au niveau de la poitrine, autant pour moi. On va repartir sur Ephésiens 6. On finit bientôt. Donc, on a déjà vu trois armes. On va revoir les trois dernières armes qui restent et on va clôturer notre partage. Donc, on a parlé du casque du salut. On a parlé de la ceinture de la vérité. Là, on vient de parler de la cuirasse de la justice. Et on va parler d'une arme prochaine. Donc, on est à partir du verset 15. Et ayant vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix. Amen. On va lever le passage. Donc, la quatrième arme nous parle simplement de l'évangile de paix, d'avoir les pieds chaussés. Et le Seigneur a dit, comment se convertiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Dans Romains 10 là-bas, n'est-ce pas? Comment y aura-t-il des conversions s'il n'y a personne qui prêche? Le Seigneur demande d'avoir du zèle. Il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Donc, les chaussures nous parlent du zèle. Les chaussures nous parlent des bonnes œuvres. C'est vrai qu'ils sont pas de l'évangile, mais les chaussures nous parlent du zèle. Les chaussures nous parlent des bonnes œuvres. Donc, les chaussures, c'est l'image de la marche. Et on est d'accord que pour prêcher l'évangile, on marche. On parle de la marche. La marche, c'est pourquoi on parle des chaussures. Donc, le rôle ou le but des chaussures, autant pour moi, c'est nous amener à prêcher l'évangile, être zélé pour l'œuvre du Seigneur. Donc, voici le rôle des chaussures, c'est nous d'être zélés pour l'évangile, zélés pour les bonnes œuvres, zélés pour faire le bien, zélés pour l'œuvre du Seigneur. Dans l'évangile, les chaussures nous parlent beaucoup plus du zèle, nous parlent du fardeau pour les âmes, nous parlent, n'est-ce pas, du fait de œuvrer pour le Seigneur. Et on a besoin de cette arme. Et ce qu'on peut déjà retenir, c'est que la Bible, on l'avait vu la semaine, lundi, je crois, on nous parle des âmes offensives et des âmes défensives. Les âmes offensives, les âmes pompes défensives, c'est la cuirasse. La cuirasse, on a vu, c'est une âme défensive. Pourquoi? Parce que c'est une âme qui encaisse. Le casque du salut est une âme défensive. Pourquoi? Parce que c'est une âme qui encaisse. Amen. Donc, le casque du salut est une âme défensive. Parce qu'elle nous préserve des mauvaises pensées, de tout ce qu'on a pu voir. La cuirasse de la justice au niveau de la poitrine est une âme aussi défensive. Donc, le casque du salut est une âme défensive. La cuirasse de la justice est une âme défensive aussi. On en fait pas la ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité est une âme défensive. C'est aussi une âme offensive. Parce qu'on prêche l'évangile, on attaque le royaume des ténèbres par la vérité et on défend aussi par la vérité. Comme dans Matthieu 4, par exemple, la tentation de Yeshua. Satan dit « Il est écrit », Yeshua a répondu par « Il est écrit ». Donc la ceinture de la vérité est une âme défensive, c'est aussi une âme offensive. Et les chaussures des ailes sont bien sûr une arme offensive. Personne ne permet d'attaquer, d'aller, n'est-ce pas, arracher les âmes par l'évangile du royaume de la ténèbre. On va remettre Ephésiens 6 pour voir les dernières armes et on va finir. Verset 16. « Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi » avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du mauvais. Merci les frères, on va lever le passage. On nous parle de la quatrième arme ici, le bouclier de la foi.
Donc, on peut déjà retenir que le bouclier de la foi est ici. Donc, le bouclier fêtait cette arme, n'est-ce pas? Voilà, cette arme que les Romains ou les gladiateurs ou les guerriers avaient, n'est-ce pas, autour de la main ici. Le bouclier était souvent ici. Et le bouclier, n'est-ce pas, permettait de protéger tout le corps. Donc, l'épée est à la main droite pour les droitiers. Le bouclier est à la main gauche pour les gauchers. Et vous voyez que on attaque avec l'épée et on défend avec le bouclier. Donc, le bouclier monte et descend. C'est à la main, ça monte et ça descend. Donc, le rôle du bouclier, c'est de préserver notre être tout entier. C'est pourquoi on a parlé du bouclier de la foi. Donc, on voit qu'avec le bouclier, on peut préserver le visage. Avec le bouclier, on peut préserver la poitrine. Avec le bouclier, on peut préserver les pieds. Donc, le bouclier de la foi, n'est-ce pas, nous garde des dards enflammés du malin. Donc, on voit que les dards sont envoyés où? Donc, les dards, d'abord, c'est quoi? Les dards, c'était ces fléchettes, n'est-ce pas, ou sur lesquelles on mettait devant, n'est-ce pas, du feu. Il y avait du feu, n'est-ce pas? Il y avait du feu derrière, sur les dards devant. Si les frères peuvent nous rechercher des images où on voit des dards, s'il vous plaît, les frères, pour que les frères et les sœurs voient cela. Trouvez-nous des images où on parle des dards pour qu'ils comprennent mieux. Donc, les dards, c'était des flèches, des fléchettes qui étaient enflammées. Donc, c'était des flèches sur lesquelles il y avait du feu. Et c'était quoi l'objectif des dards dans les guerres antiques? C'était d'enflammer le camp de l'ennemi. Et de la même manière, c'est quoi le rôle des dards enflammés? C'est de nous allumer. C'est de nous amener à chuter, à tomber dans le péché. Et on dit que le bouclier de la foi est là pour nous garder des dards enflammés du malin, parce que justement, le péché commence au niveau où de la pensée, commence au niveau de la pensée ou au niveau du cœur. Donc, tu peux être là assis, parce qu'une pensée qui te traverse l'esprit va draguer ta jeune fille. C'est ça le dard. Et l'objectif du dard, c'est de t'allumer, de t'enflammer, de susciter en toi la convoitise qui va t'amener à pécher. Et le bouclier de la foi est justement là pour éteindre. Donc, le bouclier de la foi nous parle de la foi qui est bâtie sur la parole de Yeshua. Donc, quand les frères vont trouver l'image sur les dards enflammés, ils pourront l'afficher sans problème. Donc, la quatrième âme, n'est-ce pas? C'est le bouclier de la foi. Et comme on peut le voir, le bouclier nous garde, protège tout notre corps, protège le corps tout entier. Et c'est une arme efficace parce qu'elle nous parle de la foi. Et hors sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Donc, le bouclier de la foi, n'est-ce pas, son objectif est d'éteindre, d'arrêter les dards enflammés du malin. Les dards, c'était des fléchettes allumées. Donc, les dards ici, c'est des semences que Satan envoie. Les dards, c'est quoi? C'est des choses que Satan vient déposer dans les cœurs des enfants du Seigneur pour les inciter à pécher. Le dard, c'est l'image d'une mauvaise parole. Le dard, c'est l'image de la critique. Le dard, c'est l'image de la convoitise. Le dard, c'est l'image, n'est-ce pas, de l'impudicité. Donc, le dard, il fait chose, n'est-ce pas, que Satan dépose dans nos cœurs pour nous allumer, pour nous enflammer. Un exemple simple. Tu es chez toi. Voilà, merci frère. Donc, on a les armes. Donc, on voit ici, on a fait l'image. On voit ce guerrier qui a son casque, qui a, il a son bouclier qui est là aussi. Il a sa cuirasse. Et on voit le bouclier. Et on voit, n'est-ce pas, des fléchettes allumées. Voilà. Et les fléchettes là, ils ont mis beaucoup de choses dessus. Le manque de foi, les soucis, et beaucoup de choses. Là, la pendaison et beaucoup de choses. Et vous voyez que ce bouclier, n'est-ce pas, empêche au dard de toucher quoi? Pas que la poitrine, mais tout le corps. Donc, les dards là peuvent toucher la tête, les dards peuvent toucher, n'est-ce pas, la poitrine, le thorax, ça peut même toucher le bas. Donc, merci pour cette belle image. Merci les frères. Donc, on voit ici que les dards viennent pour nous enflammer, viennent pour nous allumer. Et merci pour cet exemple, cette illustration. Et les dards, c'est aussi l'image des soucis. Les dards, c'est l'image des inquiétudes. Les dards, c'est l'image de la confusion dans laquelle l'ennemi parfois prend les enfants du Seigneur. Tu peux être là, tu avances. Tu as assis chez toi à un moment donné, mauvaise pensée qui arrive, c'est un dard. Souci qui commence à envahir ton cœur, inquiétude, confusion. C'est des dards que l'ennemi envoie pour nous amener à perdre la foi. Et on a vu que l'objectif, c'est de nous amener à perdre la foi, parce qu'on parle de bouclier de la foi. Et l'objectif du bouclier de la foi, c'est de nous garder la foi en Yeshua. Amen. Donc le rôle du bouclier de la foi, c'est de nous garder dans la foi en Yeshua. Et donc quand les dards arrivent comme ça, c'est pour nous sortir de la foi. Les soucis, la convoitise, les mauvaises pensées, les mauvais désirs, tout ça c'est des dards que Satan jette dans nos cœurs. Tu es assis chez toi, voici un frère qui va arriver, qui va dire, ah mon frère, il y a telle fois qui te critique, qui parle mal de toi, tout ça, il dit que tu es un faux chrétien, que tu es un sorcier, tout ça là. C'est un dard qu'il envoie. Tu as fini de prêcher par exemple.
Voici les frères, les soeurs de l'assemblée. Au lieu de rendre gloire au Seigneur, ils te disent, oh mon frère, ton message était magnifique. Comme toi tu prêches, c'est particulier. Comme toi tu prêches, c'est touchant. Tu prêches mieux que tel frère, que tel soeur. Frère, ça ne vient pas du Seigneur, c'est un dar. Et l'objectif du dar, c'est de nous enflammer dans le péché. Ça nous enflamme comment? Parfois par l'orgueil, par la convoitise, par toutes sortes et tout type de péché qui peut nous amener à abandonner la foi. Quelqu'un a prêché, c'était édifiant, mon rend gloire au Seigneur. Pourquoi allons-nous courir? Oh ma soeur, ta voix est angélique. Quand tu chantes, j'ai le frisson. Ça, c'est un dar des ténèbres. Parce que l'objectif, c'est que la soeur s'enorgueillisse. Alors qu'on n'est pas censé s'enorgueillir par les dons, les grâces et les talents que le Seigneur nous a donnés, parce que le Seigneur nous a donné autant pour moi, parce qu'on ne les a pas mérités. Donc merci Saint-Esprit, les dons reçus, c'est l'image de belles paroles. Les belles paroles sont des dards. Amen. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait voir par rapport au bouclier de la foi qui est la quatrième arme. Donc on va repartir de Ephésiens chapitre 6. On finit bientôt. Ephésiens 6. On est verset 17. Prenez aussi le casque du salut. On l'a déjà vu. Et l'épée de l'esprit qui est la parole d'Élohim. Merci frère. On va enlever le passage. Donc, on nous parle de l'épée de l'esprit qui est la parole d'Élohim. Donc, on a vu le casque du salut. On a vu la cuirasse de la justice. On a vu la ceinture de la vérité. On a vu les chaussures de zèle. On a vu le bouclier de la foi. Et là, on termine avec l'épée de l'esprit qui est la parole. Et justement, l'épée de l'esprit, comme on l'a vu, c'est une âme offensive. C'est aussi une âme défensive. Elle est offensive parce que par la parole, on attaque le royaume des ténèbres. Mais par la parole aussi, on se défend. Donc, on doit avoir notre épée. Pourquoi? Pour défendre l'évangile. On doit avoir notre épée. Pourquoi? Pour arracher les âmes de l'enfer. L'épée de l'esprit, c'est simplement la parole du Seigneur. Et avoir cette arme, c'est aussi, commence d'abord par aimer la parole, par aimer la vérité, par aimer la méditation de la parole. Donc, nous devons aimer la méditation. Nous devons aimer l'enseignement. Et comme on l'a vu, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et la Bible va dire dans Proverbe 6 là-bas que l'enseignement, que le commandement est un précepte et l'enseignement est une lumière. Donc la parole est vraiment cette épée qui nous aide à aller plus loin avec le Seigneur, qui nous aide à... Et l'objectif de l'épée, c'est quoi? C'est de découper. Donc la parole découpe, la parole tranche. On va prendre juste Hébreux 4, 12, je crois. Hébreux 4, 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. On finit dans quelques minutes. Hébreux chapitre 4, verset 12, on est sur l'âme qui est la parole. Car la parole d'Élohim est vivante et efficace et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Donc, on dit que la parole d'Élohim est vivante et efficace et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Donc, on apprend que la parole a deux tranchants et perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit et des jointures et des moelles. Et elle juge les pensées et les intentions du cœur. Merci frère. Donc pourquoi, merci frère, on peut lever le passage. Pourquoi devons-nous avoir cette arme? Parce que comme on l'a vu, que la parole est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Donc la parole à deux tranchants, pourquoi? Parce que en même temps on peut découper les autres avec, en même temps on peut, elle peut nous découper si on l'utilise mal. Mais on dit que ce qui nous intéresse beaucoup de cette partie où il dit que la parole pénètre et elle vient séparer l'âme et l'esprit. Pourquoi elle sépare? Parce que les émotions, parce que l'âme, c'est le sujet des émotions, des sentiments. Et notre âme, parfois, nous parle de notre chair. Donc, l'âme aussi, dans la parole, parfois, fait allusion à la chair. Donc, la parole vient séparer les désirs de la chair de ceux de l'esprit. Alléluia. Donc, cette âme, c'est d'abord aussi pour nos propres vies. Parce qu'elle vient séparer, n'est-ce pas, l'âme et l'esprit, on l'a dit. Elle vient diviser l'âme et l'esprit parce que l'âme ici fait allusion à la chair, aux désirs, aux passions charnelles. Donc, en méditant la parole, n'est-ce pas, on saura, n'est-ce pas, se débarrasser des désirs charnels et marcher sur les fruits de l'esprit. Donc, la parole, n'est-ce pas, vient apporter une division, une séparation entre les désirs de la chair et ceux de l'esprit. Donc, la parole vient nous aider à marcher par l'esprit. C'est ça même marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est marcher selon l'épée de la parole. Alléluia. On l'avait pas vu comme ça, mais le Seigneur est bon. Donc voici le rôle de l'épée de l'esprit qui est la parole. Elle vient séparer, n'est-ce pas, les passions de la chair avec les désirs de l'esprit.
Et elle dit qu'elle sépare, n'est-ce pas? Elle juge aussi les sentiments et les pensées du cœur. Ah, ça, c'est terrible. Ça dit que même ceux que les hommes ne voient pas, la parole voit. Donc la parole expose nos émotions, la parole expose nos sentiments, la parole expose les désirs de nos cœurs. C'est pourquoi, merci Seigneur, est-ce qu'on peut prendre aussi Jacques 1, les frères vont nous aider à le retrouver. Jacques, on dit que la parole, nous, bon, on peut écouter la parole, mettez-la en pratique. Jacques 1, je pense, verset 22, on va aussi lire ce passage. Donc, et l'importance de l'épée de l'esprit, c'est cela. La parole est un miroir. Cette épée nous aide à nous examiner pour savoir si nous sommes encore dans la vérité. Jacques 1, les frères vont nous aider à partir du verset, je pense, 18 ou 21, 22. Jacques, donc l'épée de l'esprit qui est la parole, aide, tranche les passions de la chair, de la vie, de l'esprit. L'épée qui est la parole du Seigneur, n'est-ce pas, expose les émotions, les sentiments qui sont enfouis, cachés dans nos cœurs. Mais la parole aussi est une lumière, est un miroir qui nous donne de savoir comment marcher. Merci les frères. Jacques 1, 22. Et mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parce que si quelqu'un est auditeur et non observateur de la parole, il est semblable à un homme qui observe le visage de sa jeunesse dans un miroir. Dans un miroir. Car il s'est observé lui-même et s'en est allé et immédiatement il a oublié comment il était. Mais celui qui aura regardé avec la tête penchée en avant dans la Torah parfaite de la liberté et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvre, celui-là sera béni dans son activité. Merci frère. On peut enlever le passage. Donc la parole est ce miroir qui nous donne de voir notre état spirituel, notre état réel. La parole est fait miroir qui nous donne de nous examiner pour savoir si nous sommes encore dans la vérité. La parole est fait arme qui nous donne, n'est-ce pas, de nous examiner. Et la parole aussi est cette arme qui nous donne de défendre l'évangile, de tacler le royaume des ténèbres. On va remettre le passage d'Éphésiens pour terminer. Et il dit par-dessus tout, il dit prier en tout temps par l'esprit. Donc une autre arme importante, c'est la prière. La prière d'intercession, la prière d'action de grâce, la prière de remerciement, la prière, n'est-ce pas? Voilà, verset 18 d'Éphésiens 6, on termine. Priez en tout temps dans l'esprit, à travers toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance et priez au sujet de tous les saints. Amen. Donc la dernière arme que nous abordons ici pour terminer, c'est l'arme qu'est la prière. La prière est une arme puissante, est une arme vivante. Il y fait en tout temps des prières. L'ordre, c'est 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Nous devons prier en tout temps par l'esprit, par des intercessions, par des supplications, par des actions de grâce, par des lamentations, par des prières aussi, parfois des combats. Prières de combat, si on fait prière là où nous attaquons les ténèbres aussi. Donc toutes ces prières font partie du combat spirituel. Donc dans le combat spirituel, nous avons besoin de prier parce que la prière est une âme puissante, est une âme vivante et une arme importante dans le combat spirituel. Donc voilà un peu l'armure que les chrétiens, que les disciples du Seigneur doivent avoir quotidiennement parce que le combat spirituel fait chaque jour, à toute heure, en tout moment, à tout moment, tant que nous sommes dans ce combat spirituel. Donc voilà frère, nous sommes arrivés au terme de notre émission, nous sommes arrivés au terme de ce partage qui nous a pris trois émissions sur le combat spirituel. J'espère que la parole nous a édifiés. Donc sortons de la peur des cafards, de la peur des rats, de la peur des souris, parce que ce n'est pas ça le combat spirituel. N'haïssons pas, ne distraisons pas les sorciers, aimons-les, n'est-ce pas? Ne faisons pas du mal à notre prochain, bénissons ceux qui nous font du mal, prions pour ceux qui nous persécutent. Parce que le combat spirituel, comme on l'a vu ici, c'est pas contre nous, c'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les principautés, c'est contre les divinités, c'est contre le royaume de la ténèbre. Que Yeshua nous garde. Bonne soirée à tous.